Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, monsieur le directeur Eric Chevalier, pour cette présentation et pour cette entrée en matière. Moi, je suis très heureux d'animer cette table ronde. Je voudrais d'abord remercier votre présence, mesdames et messieurs, à cette conférence nationale humanitaire et plus particulièrement à cette table ronde qui sera, vous le savez, consacrée au triple nexus humanitaire, développement, paix, qu'il me revient d'animer aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être une brève présentation de la manière dont cette table ronde va se dérouler. Je commencerai donc par une introduction succincte de ma part. J'inviterai, pardon, nos intervenants à échanger librement durant une trentaine de minutes, puis on aura une session de questions-réponses entre vous, mesdames et messieurs les intervenants, et l'assistance pour une durée de 25 minutes environ. Sur ce dernier point, d'ailleurs, je vous invite à adresser l'ensemble de vos questions sur le site web de la conférence, ce qui nous permettra de les réceptionner et de les soumettre aux intervenants pour qu'ils puissent y répondre lors de la séquence qui correspondra. Un mot peut-être sur la genèse de cette table ronde, qui est le fruit de réflexions engagées depuis maintenant plusieurs mois entre les représentants d'ONG françaises et les services de l'État autour des problématiques relatives à la mise en place de ce triple nexus humanitaire, développement et paix. Outre l'organisation de cet événement, celles-ci ont également pris corps au travers de la production d'une note de concept publiée sur le site de la CNH. Si celle-ci n'engage pas officiellement la France, elle nous permettra néanmoins de bénéficier d'éléments de langage solides à l'occasion du débat qui va suivre. Avant de vous présenter les différents intervenants, je voudrais saluer et remercier très chaleureusement Monsieur Rachid Lallou, qui est le président fondateur du Secours Islamique France, qui, en sa qualité de rapporteur, aura la charge d'effectuer en fin d'après-midi la restitution de nos échanges. Pour nourrir donc ces échanges, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Suzanne Mohed. Je vous prie de m'excuser pour la prononciation des patronymes, qui est la présidente du comité d'aide au développement de l'OCDE, Monsieur Jean-Bertrand Motte, responsable de la division fragilité, crise, conflit à l'Agence française de développement, Madame Sonia Rahal, qui est la directrice des opérations adjointes au Sahel et au lac Tchad, chez Solidarité internationale, Madame Sonia Rennes, directrice exécutive de l'European Peace Building Liaison Office, Madame Rokhiatou Sylla de l'ONG Enda Mali, qui, je crois, interviendra depuis le Mali. Monsieur Hervé de Villeroche, conseiller spécial du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les questions de développement. Ce panel, dont je tiens à souligner la grande qualité, aura donc à débattre de la question, je l'ai dit, du triptyque humanitaire, développement, paix. Pour rappel, c'est à partir de 1995 que les réflexions portant sur les liens entre urgence et développement ont pris l'importance qu'on leur connaît, contribuant ainsi activement au processus d'élaboration des actions et de fonctionnement des institutions. Plus près de nous, en 2016, le sommet humanitaire mondial a constitué une étape déterminante dans la conceptualisation du lien entre les notions d'urgence et de développement. Ainsi, à l'heure où nous échangeons, de nombreuses ONG qui mènent à la fois des actions d'urgence et des actions de développement. Depuis plusieurs années, vous le savez, deux points semblent s'imposer dans les débats autour de la résolution des crises. Tout d'abord est apparue une relative acceptation du fait que dans un contexte de crise, un certain nombre d'actions complémentaires sont nécessaires, celles apportées par l'aide humanitaire ou l'aide au développement d'une part, et celles qui sont apportées par les acteurs politiques et diplomatiques d'autre part. Ensuite, que la prolongation des crises exige, dans la plupart des cas, que l'ONU et ses États membres considèrent que les opérations de maintien de la paix constituent un élément déterminant dans le cadre de leur résolution. À cet égard, et dans le prolongement de la dynamique ayant conduit à formaliser l'existence du double nexus humanitaire-développement, les Nations Unies cherchent désormais à promouvoir l'intégration d'une nouvelle dimension, celle de la paix. Afin de permettre l'opérationnalisation d'un tel triptyque, il convient d'ailleurs de souligner l'importance de l'adaptation des approches au contexte et de veiller à ne pas nuire à une aide conforme aux principes selon lesquels l'action humanitaire doit être impartiale, neutre et indépendante. Cette indépendance devant être effective à l'égard de tout objet
de tout objectif politique, économique et militaire. Si l'évolution du nexus humanitaire-développement demeure en constante évolution, l'intégration d'un troisième volet, celui consacré à la paix, constituerait donc une étape importante, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Aussi, cette intégration suscite légitimement de nombreuses interrogations qu'il nous reviendra d'abord tout au long de ces débats, qu'il nous reviendra donc d'examiner, d'approfondir, d'échanger tout au long de ces débats. Je ne vais pas être plus long dans mes propos introductifs. Je peut-être proposerai à nos intervenants de réagir pour 5 minutes avant d'aborder la présentation finalement de la thématique, qui est celle de se poser la question s'il faut tendre vers une articulation entre les objectifs humanitaires et de développement avec pour finalité le rétablissement et ou le maintien de la paix. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis qui nous écoutez, chers amis qui allez intervenir en amont de cette table ronde et peut-être passer la parole à nos intervenants en commençant peut-être par la présidente du comité d'aide au développement, Madame Suzanne Morette. Écoutez, en attendant que Madame Suzanne Morette nous rejoigne, je vais peut-être donner la parole à Madame Sonia Rahal, qui est la directrice des opérations adjointes au Sahel et au Lac Tchad chez Solidarité Internationale, pour une brève réaction aux propos introductifs de notre table ronde. Bonjour Monsieur Mbaye, bonjour à tous les panélistes et à l'audience et merci pour cette opportunité. Alors oui, les crises ont changé de visage, hein. On est aujourd'hui dans des crises qui sont de plus en plus complexes, des crises prolongées. On sait que 2/3 de l'aide humanitaire est destinée à des crises au long cours, que beaucoup d'entre elles sont aussi des crises de déplacement, que la durée moyenne d'un déplacement est de 17 ans. Donc on fait ce constat qui n'est en effet pas nouveau, qui est que les personnes en situation de crise n'expérimentent pas des réalités compartimentées, mais ont à la fois des besoins aigus et des besoins chroniques qui nécessitent donc des réponses d'urgence et aussi des solutions durables. Donc je pense que sur ce double nexus, en tout cas, qui est cette combinaison d'actions entre aide humanitaire et aide au développement, il y a relativement consensus. Après, évidemment, ça nécessite une analyse fine de contexte pour savoir quand et comment on va pouvoir mettre en pratique ce double nexus, puisqu'il n'est pas opérationnalisable dans toutes les situations de crise. Par contre, ce que je voudrais souligner, donc c'est, vous l'avez évoqué, Monsieur Mbaye, donc ce troisième pilier, le pilier P, qui a été rajouté en 2016, est beaucoup plus clivant. Il fait beaucoup moins consensus. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de notre présence aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà autour de la définition de ce troisième pilier une espèce de flou. Les appréhensions diffèrent selon les acteurs. Donc pour la société civile, pour les ONG également, cette paix, ce troisième pilier, c'est plus une situation de cohésion sociale, de paix sociale, une absence de violence. Finalement, peu importe qui est aux manettes, ce qui est important, c'est d'avoir un terreau sur lequel puisse prospérer la société. Par contre, pour les États, pour les militaires, il semble que l'appréhension de ce troisième pilier revêt une autre signification, une signification plutôt de sécurité nationale, de stabilisation, qui implique parfois des mesures contre-terroristes et qui, pour l'État, implique d'avoir le contrôle souverain sur tout le territoire. Donc on voit ici très bien que deux définitions déjà qui sont peut-être antagonistes. Pour nous, ONG humanitaires, nous opposons à cette définition maximaliste du troisième pilier, cette définition autour de la grande paix qui exhorte les ONG à s'impliquer dans des activités de construction, de rétablissement de la paix, dont ce n'est pas notre mandat. Pourquoi? Alors, tout simplement pour une raison qui semble évidente, qui est le risque de compromettre l'espace humanitaire et les principes humanitaires et qui donc peuvent mettre à mal notre capacité à accéder aux populations et à leur fournir une aide dans des situations de crise.
Mais donc je me réjouis de cette table ronde. Je pense qu'on aura l'occasion entre nous d'échanger sur les défis de cette approche et de réfléchir ensemble à des garde-fous pour pouvoir aborder cette approche du triple nexus. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je disais que Madame Susanna Moed est de nouveau parmi nous après un incident technique qui a été visiblement résolu. Je vous propose de lui passer la parole. Merci beaucoup et désolé pour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous entends très très bien. Donc, écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier la France, président Macron, pour votre appui sur le Triple Nexus, votre leadership dans ce domaine tellement important. Je suis ici en tant que présidente du CAD. C'est là où, si vous voulez, le Nexus est né en février 2019. Et c'est venu d'une frustration entre les bailleurs de fonds qu'on ne faisait pas suffisamment de progrès au niveau humanitaire, au niveau du développement et surtout au niveau du paix. Jusqu'à présent, il n'y a que 4% du APD qui est ciblé envers la prévention des conflits. Donc le Nexus, c'était d'encourager beaucoup plus de complémentarité, de partenariat entre les différents acteurs dans les États et les contextes fragiles. Donc ici, aujourd'hui, ce que je voudrais apprendre surtout, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer la mise en œuvre de cette idée. Parce que je crois que le concept maintenant, c'est bien établi, c'est bien compris. Il ne s'agit pas du tout que les donateurs veulent dire aux autres acteurs ce qu'ils doivent faire. Il doit s'agir d'un effort partagé. Et au CAD, nous savons que le CAD peut améliorer la façon dont il travaille dans les pays, tout comme les Nations Unies et les ONG. Et je suis très, très contente que nous avons maintenant 5 agences des Nations Unies qui ont pris la décision de se tenir très étroitement avec le Nexus. Mais il reste des grands, grands défis au niveau du terrain. Donc, je vous remercie, je suis à l'écoute et j'attends avec grande impatience cette table ronde très, très pertinente et très importante. Merci. Merci beaucoup, merci pour vos propos. Je propose de passer la parole à Madame Rokiatou Sylla de l'ONG Enda Mali, toujours pour une brève réaction avant nos propos sur la table ronde. Madame Rokiatou Sylla. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette table ronde pour nous avoir permis et nous avoir offert cette opportunité de prendre part aux échanges sur le triple nexus. Nous pensons qu'en tant qu'acteur du développement, qu'il est pertinent à ce niveau stratégique de discuter autour de cette nécessité impérieuse d'apporter une réponse intégrée aux deux. Parce que en tant qu'acteur sur le terrain, on sent que la situation évolue très rapidement et cela nous commande en tant qu'acteur de développement de prendre des dispositions stratégiques en amont pour adresser ces questions. Et je me réjouis déjà de me retrouver autour de ce panel pour pouvoir aborder toutes les dans le temps qui nous est imparti et d'apporter expérience par rapport à l'opérationnalisation de ce triple nexus et les préoccupations que nous aurons. Nous aurons l'occasion d'en discuter au cours de ce panel. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Peut-être prendre maintenant M. Jean-Bertrand Motte, qui est responsable de la division
fragilité, crise, conflit à l'Agence française de développement. Oui, merci, monsieur le député. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous prie de m'excuser pour l'image un peu sombre, mais j'ai dû changer de poste d'ordinateur en cours de route. Donc, on vous entend et on vous voit très bien. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Tout ce qui a été dit est très pertinent et je vais être très bref avant qu'on passe au sujet et aux questions que vous avez listées un petit peu dans le papier de préparation. Mais effectivement, les crises sont de plus en plus longues, elles sont de plus en plus prolongées, elles ont des conséquences de plus en plus importantes sur les populations, notamment en termes de déplacement des populations, mais je pense que Hervé en parlera beaucoup mieux que moi par la suite. Juste un chiffre, la durée moyenne d'engagement du CICR, aujourd'hui, c'est 35 ans. Donc, on voit très bien que le hiatus entre urgence et développement doit être dépassé. Et effectivement, tout le débat qu'on va avoir aujourd'hui, c'est sur la légitimité et l'opérationnalisation du triple nexus avec le volet P, qui, selon nous, est quand même assez fondamental. On le voit très bien, c'est ce qui vient de dire par l'intervenante précédente, sur des zones de conflit très marquées et où les conflits s'aggravent de mois en mois, malheureusement, comme au Sahel, les volets de prévention de conflits, de médiation, de stabilisation et de résolution des conflits sont vraiment clés dans l'opérationnalisation du Nexus et dans la mise en œuvre au quotidien des activités des humanitaires, des acteurs du développement également. Voilà, je vous remercie et j'ai hâte de participer à nos débats. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à Madame Sonia Ren, directrice exécutive de l'European Peace Building Liaison Office. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci Monsieur Mbaye et merci aux organisateurs et organisatrices pour l'opportunité de participer aujourd'hui à cette table ronde. Je pense que c'est ce genre de forum de discussion comme celui-ci sont extrêmement importants pour comprendre et échanger sur nos différentes perspectives et pour explorer de façon de travailler ensemble plus efficacement. Je vous présente, c'est pardon, mes excuses, parce que je vais maintenant passer à ma langue maternelle, l'anglais. We've, I think, started off the roundtable really well, looking at everybody's unique different perspective. As a network, the European Peacebuilding Liaison Office, we've been engaged in these kinds of discussions on the triple nexus with the European Union, with the EU member states and with civil society organizations across Brussels and other policy areas and countries, but also very much in the field. And I think that the peace dimension, as much as it separates people, there's a lot more that we can do to operationalize it that doesn't put everybody against one another and not put people in danger as well. So we've heard from the previous speaker about the nature of crises and conflict being more complex and more severe, and that humanitarian development and peace interventions are lasting much longer than they ever did before. And I think it leads us to need to think much more critically about how conflict cycles can really be ended so that we don't perpetuate the humanitarian needs of those suffering on the ground. We need to look beyond the seemingly arbitrary partitions that are made in sort of the policy circles and look more at what's happening on the ground to people in fragile and conflict-affected contexts so that we can look operationally at what can be done better. I'll leave it there, and I think at the next round, hopefully, we'll be able to get more into the operationalization. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Hervé de Villeroche, qui, je le rappelle, est le conseiller spécial pour le développement auprès du Haut-Commissaire depuis juin 2020. Je rappelle brièvement que vous avez travaillé sur le dialogue politique avec les économies en développement à l'Agence française de développement. Je rappelle aussi que vous avez participé à la conception et à la mise en œuvre des politiques de développement en mettant l'accent sur les situations de crise et les pays fragiles touchés par des conflits. Et nous sommes heureux de vous entendre et d'écouter votre réaction aux propos liminaires que nous avons eus au tout début de notre réunion. Merci beaucoup, monsieur le député. Quelques mots d'abord. Bonjour à toutes et à tous. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a un mandat sur 80 millions de personnes en situation de déplacement forcé. Ce sont des crises qui durent longtemps, en moyenne plus de 15 ans.
Et dans 80-100% des cas, les réfugiés sont dans des pays à faible revenu ou dans des pays émergents. Nous avons maintenant une stratégie, je dirais, complète sur le développement, parce que nous ne pouvons pas, via l'assistance humanitaire, subvenir aux besoins de ces personnes pendant des durées très longues. Et je dirais plus fondamentalement, ce n'est pas quelque chose de souhaitable dès lors que les retours sont impossibles dans les pays d'origine, ce qui est le cas quand les crises durent longtemps. L'essentiel pour nous est d'obtenir la meilleure inclusion possible dans les systèmes nationaux. C'est vrai en matière de protection sociale, c'est vrai en matière d'emploi, c'est vrai en matière d'éducation, c'est vrai en matière de santé. C'est quelque chose qui est gagnant-gagnant pour le pays d'accueil, mais c'est quelque chose qui nécessite une implication très forte des acteurs de développement. Nous avons construit des partenariats structurels, le plus important d'entre eux avec la Banque mondiale, qui a des équipes dédiées, qui a une fenêtre de financement dédiée maintenant sur ces questions. Mais nous faisons ces partenariats avec l'ensemble des acteurs de développement, les banques régionales de développement, les acteurs bilatéraux de développement, et c'est indispensable, sans quoi nous ne pourrions pas maintenir notre action dans des conditions satisfaisantes pour ces populations vulnérables. C'est indispensable également en termes de consolidation de la paix, lorsque les réfugiés, lorsque les déplacements sont massifs, notamment parfois dans des pays des nombres très importants de réfugiés, au-dessus d'un million dans un certain nombre de cas, une bonne inclusion dans une perspective de développement est un facteur de stabilité. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le conseiller spécial. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il est 11h20. Je rappelle que pour des raisons de timing, notre table ronde s'interrompra à midi et quart, mais il faudra laisser le temps d'échange nécessaire avec le public, avec ceux qui nous écoutent et qui sont virtuellement autour de cette table ronde. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans mes propos, la question c'est évidemment celle qui va nous intéresser, cette problématique, à savoir est-ce qu'il faut tendre vers une articulation entre les objectifs humanitaires et de développement avec pour finalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rétablissement et ou le maintien de la paix. Je voudrais vous dire que face à des réflexions de cette ampleur, qu'il me soit d'avoir permis de borner très rapidement le cadre de nos débats. La question principale qui va se poser à nous est à la fois complexe et claire. Je le rappelle, faut-il tendre vers une articulation entre les objectifs humanitaires et de développement avec une finalité, le rétablissement et ou le maintien de la paix? Si de prime abord la réponse peut sembler faussement évidente, la complexité des crises nous appelle, je crois, à nous garder de tout raccourci intellectuel et les problématiques en présence, je pense notamment au souci d'efficacité de l'action humanitaire et à la sécurité des personnels engagés sur le terrain, sont-elles bien réelles? Je voudrais donc vous donner la parole à vous, chers panélistes, que je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre disponibilité. Je crois que tout le monde est impatient de vous écouter attentivement pour une durée d'environ une demi-heure. Donc il est 11h20, on va essayer de tenir en 25 minutes une demi-heure et de pouvoir cadrer des échanges à partir de 11h45. Je rappelle à nos amis qui nous écoutent et qui nous suivent que vous pouvez encore une fois poser vos questions sur la plateforme dédiée à cette conférence, de sorte qu'on puisse les examiner au fur et à mesure qu'elles nous arrivent. Alors à ce stade, peut-être commencer par Monsieur Jean-Bertrand Mott, responsable de la division fragilité, crise, conflit, à l'AFD, à l'Agence française du développement, sur cette question, ou peut-être que chacun des intervenants peut librement, à un moment, interagir sur ce qui va être dit. Voilà, je vous laisse la parole encore une fois, Monsieur Jean-Bertrand Mott, responsable de la division fragilité, crise, conflit à l'AFD.
Merci beaucoup, monsieur le député. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà en introduction, et c'est vrai que répondre à la question de manière trop rapide serait effectivement caricatural au regard notamment de la diversité des enjeux de terrain qui sont tous différents. On peut parler du Sahel, on peut parler du Cameroun, on peut parler du Liban. Donc, c'est vrai que répondre dans l'absolu à cette question-là de manière brutale est difficile, mais comme on l'a dit en début de réunion, il y a ce consensus sur le nexus, en tout cas humanitaire développement, et sur les aspects, sur le volet paix, il nous semble quand même du côté de l'AFD très important de prendre en compte cette donnée-là pour plusieurs raisons qui ont été mentionnées, mais notamment la première, c'est celle de l'accès et de la possibilité au quotidien de travailler sur les zones en conflit. Et on est sur des crises qui durent depuis très longtemps. Évidemment, l'exemple archétypal en Afrique, c'est la Somalie, qui est en crise depuis les années 80, sur lesquelles il est très compliqué de travailler à la fois pour les acteurs humanitaires, encore plus pour les acteurs de développement. Mais on voit tout un tas d'actes de crise qui caractérisent nos difficultés opérationnelles au quotidien. Donc face à ça, que dire et que faire? Je pense que l'important, et ça a été mentionné je crois par un intervenant en introduction, c'est vraiment de partir de l'analyse de contexte et de l'analyse de terrain et de partir de diagnostics communs qu'on peut avoir entre développeurs, humanitaires et acteurs du volet paix pour tous agir avec un objectif commun, c'est celui de ne pas nuire, qui a été établi par l'OCDE notamment comme un critère pas exclusif, mais en tout cas fondamental de notre action commune sur ce triple nexus. Moi, je voudrais prendre un exemple très simple hein, pour parler concrètement aux personnes qui nous regardent et qui ne seraient pas spécialistes de ces questions et qui auraient l'impression qu'on débat de concepts un petit peu hors sol. Vous avez une crise de type guerre civile, ou en tout cas début de guerre civile en RCA. Vous partez d'une analyse commune de contexte d'un besoin alimentaire sur la zone en question. Et ce qu'il faudrait que nous arrivions à faire, c'est un projet de type, des programmes plutôt, je vais parler en pluriel, de type réponse à la crise alimentaire sur les aspects urgence, en conjuguant la distribution d'urgence d'aide alimentaire par exemple, et puis des initiatives plus structurantes qui encourage l'agriculture au niveau local, l'agroécologie, le relèvement agricole des zones impactées par le conflit, le tout par exemple avec une approche de médiation, en tout cas une approche communautaire afin de ne pas exacerber les tensions et de ne pas nuire aux populations qu'on vise à impacter. Ce projet que je décris, on l'a mené notamment en RCA, c'était le projet Samba, mais cette approche-là, co-construite avec les acteurs de l'humanitaire, mais également penser sur le volet paix avec les acteurs parfois sécuritaires sur le terrain. Pour nous, à l'AFD, c'est l'exemple de ce que peut être une banque de développement et un bailleur agit sur ces questions-là. Mais je ne veux pas monopoliser la parole et je la passe à qui souhaite intervenir. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une réaction et une intervention de Madame Suzanne Mohed, présidente du comité d'aide au développement de l'OCDE. Merci. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Bertrand. C'est pour moi, il y a deux points que je voudrais souligner. D'abord, cette question d'efficacité. Malheureusement, la demande sur la APD est de plus en plus augmentée. Et l'offre n'avait jamais être suffisante. Donc, il faut absolument que nous travaillions tous ensemble afin de maximiser l'efficacité sur le terrain. La deuxième élément, c'est cette question du volet paix. Et il n'y a rien de nouveau dans cette conversation de lier plus étroitement les interventions humanitaires et développement. Ce qui est nouveau, c'est l'élément du paix. Et c'est là vraiment où il faut redoubler nos efforts. La grande partie de ces crises dans les contextes fragiles sont des crises surtout politiques. Et jusqu'à présent, je crois que nous n'avons pas
mis suffisamment d'efforts au côté politique et diplomatique. Et je ne sais pas si vous êtes courant, si vous avez vu le States of Fragility, le rapport annuel du cadre de l'OCDE. Cette année, il y a tout un chapitre sur la nécessité d'utiliser les ambassadeurs et les acteurs diplomatiques au sein de la mise en œuvre de ce nexus. Et souvent, on avait déjà le personnel sur le terrain. On sait que les 99% des conflits ont besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui ne fait pas partie des deux côtés. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Et c'est la manière de vraiment de faire du progrès ces situations prolongées. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être prendre monsieur le conseiller spécial du haut-commissaire, monsieur Hervé de Villeroche. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots sur le Nexus. Les agences de développement, les agences humanitaires ont des mandats différents, mais nos objectifs sont complémentaires. Nous cherchons à les articuler et parfois nous cherchons même à définir des objectifs communs. Alors comment nous le faisons? Nous avons par exemple mis en place un partage de données, quelque chose de très important quand on traite des questions de déplacement. Nous avons beaucoup de données, nous collectons beaucoup de données, et nous avons mis en place un centre conjoint par exemple avec la Banque mondiale pour le traitement de ces données. La banque est possédant également beaucoup de données en matière de pauvreté, de vulnérabilité sociale, etc., avec un staffing conjoint dans les deux des deux maisons. Nous essayons d'identifier ensemble des projets qui peuvent être structurants et qui peuvent apporter un complément à l'action humanitaire. Ça peut être des infrastructures, ça peut être des projets plus structurants en matière de santé, par exemple. Nous sommes dans une approche que je qualifierais de non transactionnelle. L'objectif du Haut-Commissariat pour les réfugiés n'est pas de recevoir de l'argent des acteurs de développement, mais bien de définir une stratégie conjointe avec eux sur ces crises. Et peut-être le dernier point et le plus important, dès lors que l'on recherche l'inclusion dans les systèmes nationaux, l'approche projet est bien sûr importante, mais tout cela relève de décisions politiques. Évidemment, les financements peuvent faciliter la décision politique, mais nous essayons de plus en plus d'utiliser la voix des acteurs de développement pour préparer cette décision, pour y contribuer. Et nous sommes donc dans un dialogue tripartite entre les autorités d'accueil, les acteurs de développement et le HCR, dès lors que nous parlons d'inclusion des personnes déplacées et des réfugiés. Peut-être un exemple concret sur le Burkina Faso. Vous savez que 1 million de personnes ont été déplacées dans le cadre du conflit récemment au Burkina Faso. C'est considérable. Ça s'est fait dans une durée très rapide. L'analyse que nous faisons, c'est que ces personnes vont dans les petites villes. C'est là où elles se sentent le plus en sécurité. Et nous essayons de nous inscrire dans une durée longue. Ne pensons pas que ce conflit va se résoudre facilement et rapidement. Et donc, nous engageons un dialogue avec les autorités pour voir comment nous pouvons réfléchir aux questions d'urbanisation, puisque nous faisons face à une urbanisation très rapide, je qualifierais même d'urbanisation forcée, mais qui n'est pas sans cohérence avec des tendances de long terme dans ces régions. Et pour cela, vous voyez bien qu'on est, on part d'un problème humanitaire, mais la réponse est une réponse de développement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je propose à Madame Sonia Rahal, directrice des opérations adjointe au Sahel et au Latchad chez Solidarité Internationale, de pouvoir nous livrer ses propos sur cette question. Oui, merci Monsieur le député. Je vais rebondir sur ce qu'avaient dit Monsieur Motte et Monsieur de Villeroche concernant une analyse conjointe de contexte, une analyse de risque. Nous sommes tout à fait favorables à cet espace de dialogue, à ce cadre de dialogue
entre acteurs humanitaires, entre acteurs du développement et acteurs militaires. C'est en effet la perspective de pouvoir avoir une compréhension plus fine d'une crise, d'une situation donnée, en la nourrissant des prismes des différents acteurs. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas confondre dialogue et communication avec alignement des agendas. Et l'agenda humanitaire doit rester pour nous, ONG humanitaire, distinct d'un agenda politico-sécuritaire. Et je voudrais prendre un exemple très concret, un exemple du terrain du Mali. Vous savez qu'au Mali, le débat autour du triple nexus a fait grand bruit. Il a suscité de vives incompréhensions et un débat très intense entre les différents acteurs. Et je vais vous donner quelques exemples qui, selon moi, illustrent assez bien le risque de dérive du troisième pilier. Alors, on a vu dans le cas du Mali des ambassades qui ont appelé des ONG à soutenir directement les contingents de la MINUSMA pour renforcer leur acceptance auprès des populations civiles. Ce n'est pas à nous, humanitaires, de renforcer l'acceptance pour les militaires. On a vu aussi des bailleurs de fonds qui nous ont reproché, à nous, ONG, de ne pas mettre assez de renseignements dans nos rapports. Ce n'est pas à nous, ONG, de faire du renseignement militaire. On a eu également des bailleurs qui ont demandé à ce que des évaluations de besoins soient conduites par des forces militaires. Ce n'est pas aux militaires de faire des diagnostics de besoins humanitaires. Et enfin, on a eu un haut responsable des Nations Unies qui a demandé aux ONG de dénoncer les suspects radicaux dans les hôpitaux qui étaient soignés. Voilà, ce n'est pas évidemment à nous, ONG humanitaires, de dénoncer quelque partie que ce soit un conflit. Donc, ces quelques exemples montrent quand même que le mélange des genres, la confusion des rôles peut être extrêmement dangereuse et préjudiciable à l'action humanitaire et à la sécurité des populations. Pourquoi ? Parce que dans ce cas précis du Mali, en 2020, il y a eu 55 enlèvements d'humanitaires. 55. Donc, heureusement, dans la grande majorité des cas, ça a été des enlèvements qui se sont réalisés sans violence, sans pour autant sous-estimer l'impact psychologique, évidemment, sur ces humanitaires. Mais pourquoi ces enlèvements ont eu lieu ? Parce que de nombreux groupes armés non étatiques craignent une collusion entre humanitaires et acteurs étatiques ou sécuritaires, de par justement ce mélange des genres. Et je voudrais juste conclure cet exemple-là en faisant référence aux principes humanitaires. Aujourd'hui, les principes humanitaires, c'est pas seulement un cadre théorique et un cadre idéologique. Les principes humanitaires guident nos procédures, guident nos politiques, nous, humanitaires, mais sont aussi reflétés dans des engagements qui ont été pris par les États, comme le consensus européen pour l'aide humanitaire. Et ces principes humanitaires de neutralité, d'impartialité et d'indépendance sont aujourd'hui la colonne vertébrale de notre action sur le terrain, puisque le respect de ces principes-là nous permet d'accéder aux populations, puisque cela implique parfois de devoir négocier avec des groupes armés non étatiques pour pouvoir avoir accès aux populations qui sont le plus vulnérables et pouvoir maintenir un accès sans porter préjudice et mettre en danger nos équipes et la population civile. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette approche. Je crois que nous pouvons entendre Madame Rokiatou Sylla de l'ONG Inda Mali, puisque nous venons d'évoquer un cas précis au Mali. Peut-être que vous pourriez compléter les propos ou apporter votre éclairage. Je rappelle que vous intervenez depuis le Mali et nous tenons vivement à vous remercier très chaleureusement de votre participation, Madame Sylla. Merci à vous. Effectivement, j'aimerais rebondir sur l'intervention de Madame Sonia. Effectivement, ce qu'elle vient d'évoquer par rapport au principe de neutralité, c'est vraiment une préoccupation qui est au centre des échanges sur le terrain, parce que ce principe de neutralité garantit en fait notre existence sur le terrain et la facilitation de l'accès aux communautés pour nous les apporter des appuis, que ce soit des aides d'urgence ou des questions
développement qui s'installe dans la durée. Alors, à ce sujet, moi, j'aimerais partager une expérience que nous avons eue à ENDA à travers des projets qu'on a, pu mettre en œuvre dans le cadre du dialogue social et de l'instauration de la paix. Donc, avec cette approche, comme beaucoup l'ont souligné, les questions de fragilité amènent beaucoup de questions d'urgence, mais qui sont en fait interliées et qui nécessitent une approche intégrée dans la résolution. Et pour ce faire, il faut un partenariat multiple. Quand je dis partenariat multiple, en tant que ONG sur le terrain, nous avons besoin de l'approche d'appui aux actions de développement de la part des diplomates, mais aussi au niveau politique, qu'on puisse avoir des débats et des échanges qui mettent une planification intégrée par rapport aux appuis et qui nous permettent, nous, en tant qu'acteurs locaux, qui avons une proximité avec les communautés, d'apporter notre contribution. Et pour ce faire, il faut vraiment qu'avec cette approche de triple nexus, qu'on fasse beaucoup attention à l'aspect paix. Parce que ce que nous constatons sur le terrain, c'est que en voulant apporter ce troisième pilier dans les interventions, vu que déjà la connexion entre les actions humanitaires et de développement ne sont plus à traiter, il s'agit d'apporter un regard sur ces risques. Le risque, pourquoi? Quand je prends l'exemple du Mali, avec les projets de développement et l'appui au niveau international pour traiter et adresser ces questions, on a en fait une appréhension par rapport à la transformation de cet appui en opportunité pour certains pour entretenir ou étaler sur la durée les questions. On va apporter beaucoup plus d'attention sur ces aspects. Donc, moi, à mon avis, c'est vraiment de discuter autour des stratégies pour principe de ne pas nuire, pour minimiser vraiment les risques dans ce sens-là. Sinon, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de développement durable sans pour autant adresser des questions de paix dans les localités où on est question. Donc, nous avons, avec notre approche de proximité avec les communautés, réussi à mettre en place des commissions de réconciliation qui sont composées de toutes les forces vives de la nation. Et ces commissions sociales sont vraiment appuyées techniquement et financièrement par l'ONG ENDA Mali, mais composées surtout des autorités communales, des autorités locales, en plus des organisations de jeunes et de pour pouvoir sensibiliser dans les communautés, mais aussi en cas de besoin ou en cas de tension, apporter leur contribution pour atténuer ces problèmes. Et on a eu une expérience avec un combattant de retour dans sa zone d'accueil qui était sur le point de se faire lyncher par la communauté sur place. Mais grâce à cette commission sociale, ils ont pu mettre le jeu et la personne a pu s'intégrer dans la communauté de nouveau. Donc, il est important, et comme je le disais, qu'à cette stratégie, qu'on puisse vraiment peaufiner les questions, prendre en compte tous les paramètres pour garantir cette neutralité qui est notre force en tant que ONG locale, en tant qu'acteur humanitaire et de développement. Merci beaucoup pour cette approche, pour vos propos. Alors, Madame Sonia Rennes, qui est la directrice exécutive de l'European Peace Building Liaison Office, vous avez la lourde tâche d'être, de conclure ces interventions très passionnantes et ces approches différentes selon qu'on est ONG, selon qu'on est acteur du développement, non pas que les ONG ne sont pas acteurs du développement, mais enfin, spécifiquement fonds de l'humanitaire, et on l'a bien senti dans les propos de Madame Rahal, dans les propos de Madame Silla, effectivement, comment est-ce que vous voyez
cette approche du Nexus. Comment est-ce que vous considérez cette question? Thanks very much. I think we got quite far with the previous speakers, and there's understandable trepidation about the peace component of the Nexus. We've heard really the realities on the ground and the pressures and the need to strictly protect the humanitarian space. And we've also heard that without the peace element, there's a level of healing and transition within societies that will not that won't simply happen. So we've also heard around the peace element what it's not. So not being about hard security stabilization, the counterterrorism approaches. But I think as we move this agenda forward, we need to really work on what it is. And so I think, how do we understand the integration of the peace component? We're looking at the concretely, there's been discussion around analysis. But what we're saying is that there's a real need to engage across the Nexus in conflict sensitive analysis. So really, how do we understand the social and gender norms, the power structures, the drivers of conflict, and how those will impact on our interventions and vice versa, to ensure that across the Nexus, through this joint analysis, we can make sure that we're not doing harm. So I think that's one way in which we can operationalize or look at our analysis as a starting point. Second is adopting a people-centered approach to our engagement. So looking at how donors can strive to support the initiatives of local actors directly. And this is becoming more and more difficult as donors have less resources, there's more pressure to disperse larger amounts of money. But what we're looking at across the Nexus is identifying the actors to support, and how can we do that more effectively. Another is around coordinating and cooperating in our actions. And I think it's been said really prudently from previous speakers, this doesn't mean that we're changing the respective mandates. But on the ground, we know that there is a lot of opportunity for not duplicating efforts, perhaps through the analysis that's done collectively, better understanding. This is often done by multi-mandate organizations that are already working in the space of all three. So you've seen that from members of ARIS, for example, like Oxfam or World Vision, in their work in Myanmar, Afghanistan, Uganda. And you know, again, it's not about erasing the differences across the Nexus, but and particularly we've seen, you know, some shocking examples of when this has gone wrong in the humanitarian sector. And it's not about everybody being a peace builder, but how can we engage more effectively? So, you know, there's two portions of this conversation. There's one that happens very much at a field level in terms of coordination, and another at a donor level. And from a donor level, the documents that are being created to try to really spell out the peace element are important. And also to look at what incentives can be provided to civil society organizations to work together, whether that's through the programming, whether that's around the flexibility of it to adapt to the changing situations. No surprise to anybody here, but civil society organizations are always asking for the flexible and more long-term funding to be able to plan interventions that have a short-term, medium-term, and long-term component. In a way, that's another way in which the Nexus comes together, is in the timeframes in which the work is carried out. And so I think a last point that's been mentioned quite a lot relates to the role of the military. And I think that it's important to differentiate and really, you know, build out the peace component, as that should not be about using the military in this space. It's about having a civilian peace building and conflict prevention involved in the intervention. So it's not to keep forcing military actors into roles that are outside of their mandates, when civilian capacities do exist and are equipped to offer sustainable solutions to conflict and operationalization around the Nexus. This is partly because of the perceptions issue on part of civilians when they see military often being seen as party to the conflict. And clearly, when anytime we've seen humanitarian organizations being associated with a party of the conflict, the consequences have been really detrimental. So, you know, in sort of concluding on this, I would come back to a few things that we need to listen to and work with the people that are affected by conflict and with whom we're really trying to help. And if we have a better understanding of our analysis from different organizations,
on the ground that looks at the societal elements of power relations, and that will certainly help to ground us to work more closely together and to go beyond our silos and to fully integrate, I think, the long-term aspiration of peace that's built through programming around social cohesion. And in order to better understand and address the multiple needs, we need to make sure as a baseline across the three different areas or pillars of the nexus that we adopt a do no harm approach. So I will leave it there in the interest of time. Thank you again. Thank you very much. Je précise pour ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous qu'il y a une traduction simultanée qui est assurée. Vous rassure, les propos de Sonia Rehn ont été très bien traduits. Alors, il n'y a pas que du mauvais quand on est en virtuel. Ça me permet d'avoir deux écrans et de prendre les questions qui nous arrivent. Je réitère ma demande de questions à vos propos, à ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous autour de cette table ronde. Moi, je voudrais d'abord remercier les intervenants qui ont eu des propos à la fois très clairs, très, comment dire, présents, qui ont le mérite en tout cas d'avoir posé un certain nombre de paramètres qui sont importants autant dans l'évolution et dans le travail que fournit les ONG humanitaires. Moi, j'ai noté beaucoup de convergence autour de cette analyse conjointe, analyse des risques, analyse du contexte. On a deux questions qui nous sont arrivées et c'est très bien d'être quelquefois en virtuel comme ça parce que nous avons là un économiste, M. Frédéric Apollin, qui, je le rappelle, est directeur général de l'ONG AVSF, qui fait beaucoup dans l'agriculture, l'élevage et le développement rural, qui vous pose à vous, mesdames et messieurs les intervenants, cette question suivante. Quelle garantie pour que l'opérationnalisation du Nexus, évite toute collusion entre action des acteurs humanitaires d'urgence et de développement et action militaire. Et si vous le permettez, moi, je voudrais joindre à cette question celle que j'aurais aimé aussi vous poser, qui est de savoir comment est-ce qu'on intègre mieux, comment intégrer les acteurs de la sécurité dans la mise en œuvre du triple nexus et quel rôle doivent-ils jouer et comment cela doit s'articuler avec le rôle des autres acteurs que vous avez mentionnés tout de suite lors de nos propos. Et pour répondre à cette question, on peut être commencer par nos amis de l'AFD, par Monsieur Jean-Bertrand Motte, et ensuite prendre peut-être l'avis ou les propos de Monsieur Hervé de Villeroche, conseiller spécial du Haut-Commissaire des Nations Unies. Je ne sais pas qui de vous deux veut commencer, mais à vous l'honneur, messieurs de l'AFD et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ouais, je veux bien commencer pour répondre à votre et celle de participants. Merci beaucoup, monsieur le député. Je pense que, et ça me permet de rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure par Sonia, effectivement, je pense que c'est très important que dans l'opérationnalisation de ce nexus, on ne compromette pas la capacité des ONG à fournir une aide qui correspond et qui est en conformité aux principes humanitaires de neutralité, d'indépendance, d'impartialité. Et c'est vrai que le Sahel est un très bon exemple, à la fois du fait de la très forte priorité politique qui est mise notamment par nos autorités, nous Français, sur cette zone-là, et par l'importance des enjeux pour tous les acteurs humanitaires, de développement ou sécuritaires sur la zone, de par son imbrication, notamment dans les flux et les échanges entre l'Afrique du Nord, le Sahel, le Golfe de Guinée et plus largement entre l'Afrique et l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette pression politique qui fait que parfois on atteint des exigences qui sont absolument regrettables par rapport aux principes du droit international humanitaire que j'évoquais précédemment. Et donc pour répondre très concrètement à la question, malheureusement, il n'y a pas de garantie à ce stade. Ces garanties, il faut que nous, on les construise ensemble. Et comment est-ce qu'on les construit ensemble? Il faut qu'on arrive à maintenir, ça c'est très fondamental pour nous à l'AFD, et je pense que je ne serai pas contredit sur ce point-là par les autres participants à la table ronde, c'est fondamental pour nous qu'on garantisse la capacité d'action
des ONG d'urgence humanitaire sur le terrain et leur capacité d'action, c'est la question de leur accès. Et effectivement, leur accès, il est garanti par leur indépendance et par leur neutralité. Et pour nous, bailleurs de fonds, intervenir dans ces zones difficiles en contexte de crise, on se repose de plus en plus sur ces ONG-là, qui sont, avec quelques collectivités locales et quelques acteurs du secteur privé parfois, les seuls acteurs à pouvoir intervenir sur ces zones-là. Donc c'est aux bailleurs de fonds de garantir aux ONG qui sont ses partenaires de mise en œuvre l'accès à ces zones en ne les exposant pas, en garantissant leur principe de neutralité et en garantissant leur principe d'indépendance. Et donc tout ça se fait évidemment sur le terrain au cas par cas, mais ça se fait aussi de notre côté à Paris, en essayant de réfléchir dans la stratégie comment on garantit cette indépendance des ONG, des acteurs de terrain, et comment dans notre communication, on évite également de les associer à des réflexions, par exemple, sur la coalition Sahel qu'on peut avoir par ailleurs sur le suivi du sommet PO, par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que les garanties n'existent pas en soi, il faut qu'on les construise ensemble, et il faut qu'elle soit surtout maintenue pour garantir l'accès aux zones critiques pour nous. Je laisse la parole à Hervé, si vous complétez. Merci beaucoup. Je vais dire des choses qui vont vraiment dans le même sens. Il est essentiel pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de privilégier l'accès aux personnes dont nous avons la charge et la neutralité. Nous sommes une agence de protection internationale, nous sommes là pour protéger ces personnes, et notre action ne sera efficace que si elle se fait avec un minimum de confiance, et la confiance, ça se construit dans la durée, confiance avec les autorités, confiance aussi avec les communautés d'accueil, confiance avec les réfugiés enfin, et il est évident que si nous ne sommes pas perçus comme neutres, nous mettons en risque bien sûr notre action, son efficacité, mais nous mettons en risque, je crois plus fondamentalement, les personnes que nous avons sur lesquelles nous avons un mandat de protection internationale. L'accès est quelque chose de pour nous qui est évidemment vital dans notre action, et l'accès nous est donné dans des zones de conflit. Parce que nous sommes neutres et parce que nous respectons cette neutralité. Alors, le HCR fait partie de la famille des Nations Unies. Il y a une division du travail entre des agences spécialisées comme le HCR et les Nations Unies dans ces structures plus politiques qui interviennent sur les questions de paix et de sécurité. Et nous veillons à ce que la distinction soit bien faite et à ce que nous n'ayons pas de mélange des genres. C'est une condition nécessaire pour assurer notre mandat de protection. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être à nos amis des ONG ainsi qu'aux autres panélistes de prendre les deux autres questions qui nous sont arrivées et puis de vous faire réagir en amont sur ces questions. Nous avons le groupe URD, hein, le groupe URD qui est un think tank spécialisé dans les questions de développement, d'analyse et de pratique pour l'action humanitaire. En la personne de sa directrice exécutive, Madame Véronique de Geoffroy, qui nous dit « Les acteurs de l'aide qui interviennent dans ces contextes ne devraient-ils pas adopter les principes d'indépendance, impartialité ou non-alignement aux objectifs politiques à l'origine du conflit, même s'ils ne se considèrent pas comme… » Alors, attendez, j'ai un bug. « Même s'ils ne se considèrent pas comme humanitaires. » Elle pense par exemple à l'AFD qui intervient de plus en plus en situation de conflit ou de crise chronique. Nous avons aussi une consultante, Madame Marie Bescu, qui nous dit qu'en tant qu'ONG, comment en tant qu'ONG avoir des garanties de capacité d'action quant à l'accès, alors que certaines pratiques, comme le criblage des bénéficiaires, tendent à réduire cet accès, voire les mettre en danger. Je propose peut-être à nos intervenants ONG, Madame Rahal et Madame Sylla Rokiatou, de réagir à ces deux questions, et puis après je passerai la parole à Madame la présidente du comité au développement au CDE, ainsi qu'à Madame Sonia Rennes.
Oui, merci, monsieur le député. Je vais rebondir sur la première question, bon, sans me permettre de répondre au nom de l'AFD, puisque c'était l'AFD qui était citée comme exemple. Sur la question, est-ce que les autres acteurs, qui ne sont pas nécessairement des acteurs humanitaires, donc ne devraient pas adopter, respecter les principes humanitaires? Je pense que nous tous autour de cette table, de toute façon, on est très attachés à ces principes humanitaires. Mais je voudrais revenir sur la nécessité de distinguer les mandats entre différents acteurs. Je pense que quelles que soient les parties prenantes dans une crise, pour pouvoir garantir cette distinction de mandat et le respect des principes humanitaires, il faut déjà qu'on puisse tout un chacun comprendre les mandats respectifs de nos organisations. Et ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'entre développeurs humanitaires et acteurs de la sécurité, les stratégies, les modus operandi, le jargon n'est pas forcément très, très clair pour les uns et pour les autres. Et pour autant, il y a des cadres de dialogue qui existent déjà. Je voudrais parler des mécanismes de coordination civilo-militaire. Dans le Sahel, suite à la table ronde ministérielle pour le Sahel qui a eu lieu en octobre, ça a été souligné comme une limite, comme quelque chose à renforcer. C'est un espace de dialogue qui existe dans les trois pays du Sahel central et qui nous donne l'opportunité justement d'échanger entre humanitaires, entre militaires, pour pouvoir mieux nous coordonner et mieux nous comprendre. Malheureusement, c'est regrettable, il y a une très faible représentation dans ces mécanismes de SIMCORD et du coup qui ne permet pas un échange de qualité qui puisse donner lieu à une prise de décision. C'est un exemple. Je pense aussi pour garantir la distinction des mandats, il faut être très prudent quant aux activités civilo-militaires qui sont conduites par les forces militaires. Je pense notamment au Quick Impact Project de la MINUSMA, qui peuvent entretenir cette confusion des rôles, confusion des mandats. Les ONG, dans ce cas de figure, plaident, font la promotion plutôt d'une approche que les forces militaires se concentrent plutôt sur des projets d'infrastructure et non pas sur des distributions de vivres, de médicaments qui elles, sont l'apanage des humanitaires. Donc voilà, c'est quelques exemples. Déjà, basons-nous, capitalisons sur les espaces de dialogue, les cadres de dialogue qui existent. Je pense que tout un chacun est enclin à mieux connaître le mandat de l'autre partie et c'est déjà le premier pas vers la préservation et la distinction des différents mandats. Je laisse la parole à ma collègue Rokia. On ne vous entend pas, Madame Silla. Merci, Sonia. Oui, j'avais mon micro fermé, désolée. Est-ce que je peux avoir la deuxième question vu que Sonia a déjà abordé la première? Oui, alors la deuxième question d'une consultante, c'était comment en tant qu'ONG, on pourrait avoir ces garanties de capacité dont on parle quant à l'accès, alors que certaines pratiques comme le criblage des bénéficiaires tendent à réduire cet accès et vous mettre finalement en danger. Et j'ajouterais une autre question puisque Madame Sonia Rahal a parlé des projets à impact rapide. Une question nous est arrivée de savoir est-ce qu'il y a une place pour les projets à impact rapide dans le triple nexus, dans le cadre du triple nexus, et comment assurer qu'ils ne nuisent pas à l'action humanitaire, mais vous pourrez rebondir sur cette question tout à l'heure. Ok, merci. En fait, c'est une très bonne question. La question est vraiment pertinente. Comment garantir les questions assez outées, étant donné l'approche utilisée. Et je rejoins ce que Sonia vient d'évoquer tout à l'heure, avec le fait qu'il est vraiment important d'appuyer en fait, ce principe de neutralité. Et pour associer les acteurs de la sécurité, on se rend compte qu'il y a vraiment un travail de fond à faire sur la confiance entre ces acteurs de la sécurité et les communautés à la base. Et avec les actions à impact rapide qui sont menées par les organisations
de paix, il y a très souvent une confusion dans la compréhension de la part des communautés qui s'attendent en fait à une réponse aux crises par la solution militaire et qui ne voient pas et ne comprennent pas surtout les actions posées dans le cadre de ces projets à impact rapide qui sont assimilés aux ONG, aux acteurs humanitaires. Donc, s'il y a des actions à mener, je pense qu'il faut travailler surtout sur l'aspect confiance. Et les cadres de dialogue permettent en fait d'établir ce lien. Mais surtout, il faut que chacun reste dans son contexte, vu que les missions et les visions par rapport aux approches, soit dans le cadre des actions de sécurité, ne sont pas les mêmes que nos actions en tant qu'humanitaire, parce que d'abord, la crise et comment faire pour les appuyer dans le cadre de nos actions pour qu'on puisse prétendre à un développement qui s'étale de la durée. Alors que les actions militaires avec les projets à impact rapide visent à se faire accepter par la société et les communautés dans lesquelles ils interviennent. Ce n'est pas forcément les communautés qui ont un fort besoin qui sont les critères de priorisation. Donc, je pense que si on doit associer ces trois nexus, il faut que chacun reste dans son principe et voir comment on peut appuyer ou renforcer ce que les humanitaires et les acteurs de développement sont en train de faire sans pour autant mélanger les mandats. Et ça se fait, à mon avis, au niveau stratégique parce que c'est les actions au niveau politique et diplomatique qui donnent la suite des actions sur le terrain et de tout ce qui se fait au niveau international, national, suit en fait cette stratégie au niveau politique et diplomatique. Merci beaucoup pour vos propos. Je voudrais excuser le début de vos propos avec une connexion qui était un peu instable, mais nous avons pris l'essentiel de vos échanges. Je passe maintenant la parole à Madame la Présidente du Comité d'aide au développement à l'OCDE pour peut-être répondre à cette série de questions et vous indiquer qu'on a une autre série de questions qui arrive et qui touche plus principalement le rôle des acteurs locaux, de la gouvernance locale et des collectivités. C'est dire que ce sujet intéresse aussi cet aspect-là. Donc, Madame la Présidente, à vous la parole. Oui, merci. Écoutez, je vais essayer de répondre aux questions dans le rang. Je suis désolée, mais c'est difficile, c'est dur, c'est désordonné. Il n'y a pas de garantie. Donc, si nous cherchons des garanties, il faut travailler dans un autre domaine. Mais néanmoins, il faut améliorer notre manière de travailler ensemble si nous allons livrer des résultats plus soutenables. Le nexus n'est pas une question d'enlever les mandats. C'est une question de coordination, de complémentarité, tout en respectant les mandats différents. Mais dans les crises prolongées, ces mandats deviennent de plus en plus mélangés. Lorsque l'aide humanitaire fournit des services de base comme la santé pendant des décennies, elle s'inscrit dans le contexte du développement et de la politique. Donc, ce que j'ai vraiment, c'est une appel, une demande à tout le monde de ne pas se cacher derrière des mandats, mais néanmoins d'essayer de dire nous avons tous nos mandats, nos principes, ils sont très importants, mais il faut essayer de trouver là où on doit travailler ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de répéter un élément très, très important, c'est que investir dans la paix, ce n'est pas investir dans les militaires. Et il faut que tout le monde soit très très clair que l'investissement dans la paix est surtout une dialogue politique qui essaie d'introduire tous les éléments du conflit autour du table. Et comme dit notre collègue du Mali,
il y a des projets, des interventions, tant que les commissions de réconciliation des groupes locaux, etc., etc. C'est là où on doit aussi investir dans le pays. Et tout dernièrement, on n'a pas parlé suffisamment du rôle des femmes dans l'investissement dans le pays. Et c'est tout à fait critique pour la réussite du Nexus. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose peut-être de vous donner une dernière série de questions, parce qu'il est déjà 12h17 et que nous devons interrompre nos travaux à 12h15. J'ai, comme je vous le disais, une série de questions sur le rôle des collectivités, des associations de pouvoirs locaux. Ça va aussi bien de la question de comment mettre les communes au cœur du dispositif avec, vous le savez, l'exemple du Cameroun qui nous est donné, où le Cameroun, visiblement, place les communes au cœur des interventions pour opérationnaliser le Nexus. On a une autre question qui nous demande si finalement le triple Nexus n'est pas là une opportunité pour faire évoluer notre écosystème de l'aide et pour gagner en inclusivité. Et puis, une dernière question pour dire comment est-ce qu'on peut assurer une appropriation nationale optimale des actions du Nexus pour que la gouvernance locale en sorte gagnante. Voilà, c'était cette série de questions sur la gouvernance, sur le rôle des collectivités locales et des associations de politique locale. Je propose peut-être que à la fois vous puissiez réagir en une minute, chacun d'entre vous, en donnant la parole d'abord à Madame Sonia Rehn, qui n'a pas beaucoup parlé, la directrice exécutive de l'European Peace Building. Thank you. I'm going to try and touch a little bit on the last little pieces. So I think one of the reasons that the peace element is difficult to understand is it's not as tangible as the other two areas. So how do you really kind of define and concretize mediation or social cohesion? And obviously, it's super important that the work is different, the mandates are very different. And from a political perspective, there is more help that's needed to there. Obviously, there's no guarantees, and that's been said very clearly. But what's the donor pledge on this particular area? That's why, for example, at EPLO, we work with the European Union and member states to try to put into place a real definition in text on the various concepts around the nexus, because for that to be rolled out in a field way, it has to be written down, and there need to be policies that understand this. On the issue of women, it was good that it was raised. I think it's women, men, boys, and girls, but really understanding power. And at that point, not sort of making a general assumption around women as peacemakers, but their role in society and how that's changing and can change over time. Obviously, there's a need for increased coordination, joint analysis, as we've said, but there's also a need for more compartmentalization. There is a strategic geopolitical context that's taking place where there's an increased support by donors to the security sector. But that doesn't mean that the security sector is apt to respond in every single way. And so I think in this one, we need to be very careful that in our policy documents and headquarters and from a donor perspective, that there is at a minimum a pledge that really tries to define not what the peace element is not, but what it is and who it is, and that there is more accountability and follow-up so that everybody is able to do their joint activities. They're very different, the activities of the three different in the nexus. And I think what we're seeing is that we're in the same places at the same time. And when it comes to governance, this is an issue that comes up in many of the different places where crisis and conflict is taking place, because these are no man's lands. These are places where services were least provided and where in often cases, the rural areas and elsewhere where the solutions are really coming from communities and those that support them. So obviously there's a level of local, national, governance that needs to be addressed within all of this. But I would plead certainly for more investment in making sure our policy documents spell this out really clearly as guidance,
that we continue to hear from others about the political ramifications and get a little bit more backup from that perspective. And peace building organizations still need to be a little bit clearer about what it is that we do and who does it. Thank you so much. Thank you so much. Très rapidement, en peut-être les 30 secondes les uns et les autres, qu'on puisse peut-être conclure nos travaux. Je rappelle qu'on termine à midi et quart. Beaucoup de choses ont été dites. Peut-être prendre de manière groupée les deux ONG, Solidarité Internationale et ANDA, sur cette question de la gouvernance et de l'implication des communes et de la vision du Nexus comme véritablement quelque chose d'assez inclusif. Madame Rahal. Oui. Oui, alors sur le rôle des acteurs locaux, je pense que c'est un excellent point qui a été relevé. On parle beaucoup de localisation. C'est quelque chose à renforcer. Je pense que dans le cadre du New Way of Working des Nations Unies, c'est dans le cas des pilotes, des pays pilotes pour le Nexus, on a vu malheureusement que c'était une limite. Les acteurs locaux ont été finalement très peu impliqués, très peu engagés dans ces discussions autour du double ou du triple Nexus. Donc c'est regrettable puisque ça ne permet pas de refléter la voix des populations civiles, des collectivités, des autorités locales, et ça fait des approches relativement top-up. Donc je pense que c'est vraiment un point d'amélioration très, très important. Merci, merci beaucoup. Je pense que ce sera la même approche que vous aurez, en tout cas que notre ami Rokia Toussila aura. Peut-être nous dire ça en 30 secondes, rapidement. Oui, c'est pour dire que effectivement, le leadership local doit être valorisé. Et nous sommes tous dans nos pays qui, ces collectivités, en fait, sont un peu affaiblies par rapport à la décentralisation qui rend en fait non autonomes ces organisations-là. Et il est important que ces discussions qui se passent aujourd'hui au niveau stratégique soient descendues pour que ces autorités au niveau communal puissent être vraiment impliquées, parce que ce sont la gouvernance locale qui peut être une meilleure réponse à ces actions. Et je l'ai dit tantôt quand je parlais des commissions sociales, c'est une des autorités communales et locales qui, avec les forces vives comme les femmes et les jeunes, nous permettre de prétendre à cette approche du Nexus. Merci. Je vous remercie beaucoup. Il nous reste une minute et nous devons absolument conclure à midi et quart. Je suis désolé pour les autres panélistes. On avait deux autres questions sur le volet éducation-justice qui n'avaient jusque-là pas été abordées, mais je crois qu'on pourrait passer toute une journée à parler de ces problématiques. Je suis désolé, je joue un petit peu les méchants modérateurs. Je suis obligé de conclure, puisqu'à midi et quart, nous devons rendre, entre guillemets, l'antenne, en tout cas, finir cette table ronde. Moi, je voudrais vous remercier et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites de manière très, très détaillée sur la question de l'analyse du contexte, de l'analyse des risques, sur la gouvernance, sur l'implication des acteurs locaux. Je crois que le sentiment est partagé qu'il faut une meilleure coordination, mais qu'il ne faut pas confondre les rôles, le rôle des ONG qui sont humanitaires et puis le rôle des acteurs du développement, des acteurs autres que l'humanitaire qui concourent à ce maintien de la paix et qui doivent travailler en bonne coordination. Je pense que tout ceci, notre rapporteur le mentionnera dans son rapport de synthèse. Moi, je voudrais vous remercier, remercier les gens qui nous ont écoutés, qui ont participé via leurs questions, qui étaient très nombreuses, mais je suis désolé, nous n'avons pas pu les traiter. Et sachez qu'en tant que parlementaire engagé sur cette question, j'ai moi-même remis un rapport d'information sur le droit international humanitaire. J'ai aussi saisi pour avis la Commission consultative nationale des droits de l'homme qui a rendu son avis il y a deux jours sur cette question de protection du personnel humanitaire, et je reste engagé à vos côtés pour avancer sur ces questions. Merci beaucoup à vous.